Salut à tous, c'est Nano, j'espère que vous allez bien. Ah là là, ça fait encore bizarre de se retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17. Et voilà les gars, aujourd'hui on est parti pour une draft. Comme d'habitude, pour pas changer l'originalité sur YouTube, c'est... Niet. Là, franchement, peut-être vont dire que je suis pas original d'où, mais j'ai envie de tester ce mode draft sur FIFA 17. Franchement, ici, on sait très bien qu'il y a pratiquement rien qu'à changer, mais j'ai quand même envie de tester. Donc on a pris les points FIFA de la dernière fois du pack opening et on va partir pour la draft. C'est tout de suite qu'on va faire la draft, notre première draft sur FIFA 17 ensemble en vidéo les gars. Et on tombe déjà sur une bonne compo, et on espère toucher bien sûr Ronaldo comme d'habitude. Et on tape, ah mais voilà, et voilà. Il fallait juste l'appeler par son nom et en taper Ronaldo tout simplement. En tout cas, moi j'espère que vous allez bien, je vous ai pas dit comment ça va, les gars. Parce que moi ça va nickel, il y a FIFA 17 qui sort dans un jour, là on est encore sur les access. Et franchement, tout va bien. On va faire encore la technique qu'on faisait dans FIFA 15, qu'est-ce que je dis, FIFA 16. On commençait par les remplaçants et là ça va être le goal comme d'habitude. Et on tape du Hard, du Begovic, ouais. On va jouer collectif, on va prendre José Reyna parce que tu vois, on va partir sur des Ligas BBA comme d'habitude, hein, comme chaque année, c'est Ligas BBA. Je pense pas que je vais jouer la draft, je vais juste la faire pour vous voyez et Bobby Moore, oui c'est ça Bobby Moore, petite légende les gars, franchement ça fait plaisir. Putain, je suis content de faire cette draft avec vous. C'est pas mal, on découvre de nouveaux joueurs comme Vidal qui était, ouais, qui était milieu droit sur phase 16 et là qui est passé défenseur droit avec de bonnes stats. Là franchement on va prendre Contrao bien sûr hein, pour la Liga BBA. Putain franchement là c'est vraiment une draft de fou je pense hein. Ah, et Ferra Carrasco qui méritait bien sûr les 5 étoiles cette année. Et Bruno le sang. Allez, par contre, si on a Ronaldo et Messi dans la première draft sur FIFA 17, on a un nouveau technicien. Les gars, nouveau technicien, Di Maria. Là, il n'y a même pas à hésiter. Il n'y a même pas à hésiter, gros. Faut vraiment que je le teste ce joueur parce qu'il a l'air vraiment monstrueux. J'ai pas regardé son prime, donc c'était vraiment une blinde. Hein. Carvajal en défenseur droit. Toujours aussi bon dans le jeu, les gars. Et on a bientôt fini les remplaçants. On va finir sur du Tremolina, Ter Stegen. Ouais, on va prendre Ter Stegen parce qu'on a déjà le côté, tu m'as compris. Ah, et Nolito, Sporting. Ouais, donc là on va prendre. Voilà, on va se faire un petit. On va prendre Lucas, hein, franchement, on s'en bat les steaks. Ouais. Nani, encore un technicien, les gars. Mais c'est ça qu'on veut, Et on tape Messi, peut-être. Allez, Messi, Bocchetti, Ziegler et Tolisso, comme d'habitude, qui est complet, les gars. Je vous le conseille pour une petite Ligue 1. Non. Et si. Bon, j'ai envie de prendre Philippe Louis, mais il y a quand même Dybala, il me tente taille de trop. Vous avez peut-être tapé dessus. Et vous avez pas vu, par rapport à la dernière, qu'on peut tourner à l'avant. On arrivait juste à la boue, tu vois. Tu tournais comme ça et non ça marchait pas. Tandis que là tu vois genre on peut tourner. Pas mal bien vu ça eSport. Ah finalement j'ai craqué, j'ai pris Dybala. J'étais obligé de le prendre Dybala, il est trop monstrueux. Putain légende Ronaldo, il manque plus que Messi. On a une draft de folie. Allez le défenseur gauche. Ça va être Costa Moreno, ouais bon on va prendre Costa. De toute façon on s'en bat les couilles. La draft elle est presque faite et là Iniesta, Pjanic. Ouais. Il y a du Marquisio, vraiment. Ouais, non, je suis obligé de prendre Marquisio, il est vraiment trop fort. L'MDC, Sergio Busquets peut-être. Sergio Rosé, ok, bon, ça c'est un peu de la merde, mais bon, il fallait pas s'attendre non plus à du lourd. On va faire l'attaque en droit, ça m'étonnerait qu'il y ait du Messi. Oui, voilà, attention, c'était sûr. Et il y a encore mieux que Messi, les gars. Ah, j'espère qu'il a encore abusé. Je vais... Oh non, il a perdu ses 4. Ah là là, le pauvre. Franchement, je vais prendre Berardi, rien que pour le collectif. Ou quoi que ça, là, il a les 4 étoiles. Bah, Berardi, non, je préfère Berardi quand même. Et le buteur, ça va être... On va skipper, et oui, et non. Ça va être Mandzukic avec du Icardi, du Villa et du Castro. Mais là, on va prendre quand même... On va prendre, allez, Mandzukic parce que Forza Juve, vous comprenez. Bon, les gars, je vais faire la draft. Comme d'habitude, ça change pas. On se retrouve juste après. Voilà, l'équipe, elle est faite. On va prendre l'entraîneur et... Peut-être qu'on aura les 100, non même pas. Ah, voilà, ça c'est clair. Et voilà, première draft, 184 de notes. C'est plutôt correct, Ronaldo, Marquisio et Bobby Moore, une légende. Franchement, pour moi, ça me fait plaisir de partager cette draft avec vous. Après, il y en a qui vont dire c'est pas original et tout, mais tu vois, je m'en bats les couilles, c'est tout.
Voilà, c'était une vidéo courte, vidéo draft, comme d'habitude, vous en tentez pas non plus une vidéo de 50 minutes, j'ai vraiment trop la flemme de jouer après là, je vais faire nécessairement une deuxième partie pour vraiment me consacrer vraiment au match et faire la draft à part. Voilà les gars, moi je vous dis ciao, hasta la vista, ce que vous voulez, faites ce que vous voulez, portez-vous bien, c'était Nano, petit pack de fin de vidéo les gars, je pense que je ferai ça plus souvent, pas qu'en rare, deux joueurs, normalement ils sont pas vendables, mais on peut quand même choper du lourd, défenseur central. Leicester et non sera Hutt. Ah putain, dommage, soit pas vendable. C'est pas grave. Et on a Kovacic aussi qui fait plaisir. Bref les gars, moi je finis sur ce petit pack pour vous dire encore une fois, c'était Nano et ciao tout le monde.